Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision, leçon de grammaire, conjugaison et l'orthographe. D'accord? Alors, redemain, cahier d'activité, le trésor des mots. Quatrième année de l'enseignement primaire, la page 56, 57 et 58. Alors, on commence le son de grammaire. C'était le complément circonstanciel de temps. Alors, je vais vous expliquer le complément circonstanciel de temps. Alors, on a vu le complément circonstanciel de temps qui complète la phrase. On peut le supprimer sans que le son change. Et il indique le moment dans lequel se passe l'action. Elle répond à la question quand, combien de temps ou bien depuis quand. Dans si c'était roi, l'arabia d'arf zemen. Qui joue la soeul li wa meta ou mundu meta ou kam min al waqt. Alors, l'exercice 1 souligne le complément circonstanciel de temps dans chaque phrase. La première phrase, cet après-midi, Sophie a rencontré sa cousine dans la salle du sport. Alors, quand Sophie a rencontré sa cousine, cet après-midi. Alors, cet après-midi, c'était. Deuxième phrase, l'année dernière, tous les citoyens portent des masques pour limiter la transmission des virus. Alors, l'année dernière, c'est le complément circonstanciel du temps. Dernièrement, Sarah a été enrhumée parce qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires. Alors, dernièrement, c'est le complément circonstanciel de temps. L'été dernier, les plages en étaient pleines d'estévants. Le complément ici, c'est l'été dernier. Cette année, j'ai un copain français et un autre marocain. Le complément circonstanciel de temps, c'est cette année. Deuxième exercice. Complète les phrases avec un CCT de la liste demain, chaque matin, hier, autrefois. Alors, les voitures roulaient. Alors, regarde le verbe rouler à l'imparfait. Donc, autrefois, les voitures roulaient moins vite d'aujourd'hui. Maman a senti le gaz. Elle a ouvert. Alors, elle a ouvert le verbe conjugué au passé composé. Donc, hier. Hier, maman a senti le gaz. Elle a ouvert les fenêtres pour aérer, puis il a fermé le gaz. La phrase c'est je me brosse les dents et je prends mon petit déjeuner avant d'aller à l'école. Alors, chaque matin, je me brosse les dents et je prends mon petit déjeuner avant d'aller à l'école. La dernière phrase. Demain, mon ami et moi rendrons visite à Vincent qui s'est brûlé les doigts. On passe maintenant à la conjugaison, les verbes du troisième groupe au futur. Alors, nous avons les verbes du troisième groupe au futur. Le futur simple exprime une action à venir. Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Yani, qui connaît la même terminaison. R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Premier exercice. Souligne les verbes du troisième groupe conjugué au futur simple. Alors, première phrase. La semaine prochaine, nous partirons en voyage. Le verbe c'est partirons. La phrase B. Ces meubles iront avec mon nouvel appartement. Le verbe, c'est iront.
La phrase, c'est dans quelques jours, la neige couvrira les cimes de montagne. Le verbe, c'est couvrira. La phrase D. Ma sœur reviendra à l'école d'ici 3 jours. Le verbe, c'est reviendra. Et la dernière phrase. Bientôt, je lirai ta lettre et je te répondrai. Alors, le verbe, c'est je lirai et répondrai. Deuxième exercice. Conjugue les verbes suivants au futur simple. Le verbe dire. Je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils, elles diront. Le verbe faire. Je ferai, tu feras, il, elle fera, nous ferons, vous ferez, ils, elles feront. Le verbe pouvoir. Je pourrai, tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils, elles pourront. Le verbe partir. Je partirai, tu partiras, il, elle partira, nous partirons, vous partirez, ils, elles partiront. Troisième exercice. Relis chaque verbe conjugué à son l'infinitif. Que le verbe tout de l'infinitif dialogue. Nous irons si le verbe aller. Ils seront si le verbe être. J'aurai si le verbe avoir. Il verra si le verbe voir. Et vous saurez si le verbe savoir. Quatrième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Première phrase. Vous, le verbe partir, vous partirez demain de bonne heure. Deuxième phrase. Elles, le verbe venir, elles viendront avec vous jusqu'à l'aéroport. La phrase c'est à quelle heure, le verbe partir, à quelle heure partira le train à destination de Marrakech? La phrase D. Demain, le verbe prendre. Demain, tu prendras un bouquin de la bibliothèque de l'école. Et la dernière phrase, c'est pareil, le verbe permettre. Cet appareil permettra de commander de loin. On passe maintenant aux leçons d'orthographe ce et est. Alors, ce avec c'est un déterminant démonstratif qui sert à désigner quelque chose ou quelqu'un. Elle se place devant un nom masculin singulier. Alors, il y a déterminant démonstratif qui dit قبل من اسم مفرد مذكر. Par exemple, ce jeu, ce produit. Elle peut être un pronom démonstratif. C'est. Par exemple, courir dans le couloir, c'est dangereux. Et ce avec S est un pronom personnel qui précède un verbe pronominal. Par exemple, il faut se protéger du soleil. Et est un, bien, est une conjonction de coordination. Il indique qu'on ajoute une information. Exemple, j'aime la campagne, ils sont calmes. Et est. C'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Premier exercice. Mets devant les mots ce, si c'est un nom, et ce avec s, si c'est un verbe. Alors, là, il y a un verbe, on dit le ce avec s. Il y a un ism, on dit le ce avec c. Alors, se coiffer, se dépêcher, se brosser, se casser. Alors, ce sont des verbes. Alors, on utilise ce avec S. Ce marteau. Marteau, c'est un nom, donc ce avec C. Feu, nom, donc ce avec
c'est noyer, verbe, donc se avec s. Chapeau, nom, donc se avec c. Laver, se laver, se moucher, verbe, se avec s. Parasol, nom, donc se parasol avec c. Se dérouler, verbe, se avec s. Ce panneau, nom, donc se avec c. Se déplacer, se avec s. Ce vent, ce ballon, se avec c. Deuxième exercice, complète les phrases avec ce ou ce. Ce garçon avec c est très propre et se lave avec s les mains régulièrement. Deuxième phrase, ce chien, ce avec c, se dressa, ce avec s, brusquement et se dirigea, ce avec s, vers le portail. La phrase c, elle se débarrasse, ce avec s, de tous ses déchets dans ce dépotoir, ce avec c. La phrase D. Ce vieux meuble, ce avec C. Ce vieux meuble, on voit, massif et d'une grande valeur. La dernière phrase. Ce fantôme, ce avec C. Se tenait, ce avec S. Debout dans cette chambre inhabitée. Troisième exercice. Entoure le bon mot. La barque du pêcheur. E-E-S-T, vieille, E-E-T, un peu vermoulu. La phrase B, la voix de cet oiseau qui chantait près de moi est extraordinaire, E-E-S-T. La phrase C, la baignade dans ce lac est E-E-S-T, dangereuse et interdite, E-T. La phrase D, ces oiseaux souffrent faim et de la soif. E-T, il faut leur donner